Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je viens faire un petit tour chez H Market dans le Nez-sous-Bois. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Depuis ma dernière vidéo, je ne suis pas revenue. Donc, ça sera l'occasion là de vous présenter ce qu'on peut retrouver. Toujours alors disponible ces amandes, le paquet de 600 grammes, amandes caramel 3,99 €. Vous avez aussi des sésames comme ça, sésame doré. C'est 2,99 € le paquet du 100 grammes. Là, je suis à l'entrée du magasin. C'est vraiment ce qu'on retrouve à l'entrée du magasin. Je vois aussi des amandes blanchies comme ça. 6,99 €, c'est 800 grammes. Et vous avez aussi là des amandes en poudre, de la poudre d'amande. Oh, c'est génial, il y a tout un stock. Hein. Franchement, tout ce que je vous présente, vous avez un stock énorme. Donc là, c'est 700 grammes amandes de poudre d'amande. 5,59 €. Regardez, on peut retrouver ça aussi. C'est du Nescafé avec la tasse, un coffret. Là, il y a 200 grammes, si je ne me trompe pas, c'est 4,19 €. Donc, c'est pas mal, hein, franchement. Joli coffret comme ça. Ça, c'est une nouveauté, par contre. C'est un arrivage, je pense. Donc, 4,19 €. Je vois aussi des dosettes comme ça, Senseo. Un paquet de 12, c'est 1,49 €, c'est bio. Et là, ouh, je vais y faire tomber le paquet. Et là, je vois des dosettes comme ça, Dolce Gusto. Faudra regarder la date, mais ça, je crois que j'ai vu jusqu'à fin avril. C'est 3,49 €. Ouais, et je crois qu'il y en a, je sais pas combien il y en a dedans. 16, voilà, il y en a 16. Là, regardez, on peut retrouver aussi, moi je trouve ça super intéressant, des pâtes comme ça, c'est la marque Arbella. Et c'est 79 centimes le paquet de 500 grammes. Et là, je vois qu'il y a aussi ceux-là. Ceux-là, bah, je crois que c'est au même prix. Hein. Ouais, donc, c'est ceux-là et c'est 500 grammes aussi. La DLC, j'ai vu qu'elle était bonne. Donc voilà, ça je crois aussi que c'est un arrivage parce qu'il n'y avait pas. Alors, on pourra retrouver aussi du sucre en morceaux comme ça de la marque Daddy. C'est 99 centimes sucre en morceaux numéro 4. Ah bah regardez, là je reviens sur les pâtes que je vous ai présentées en tête de gondole. Donc vous avez ça aussi. Cela, oui, donc c'est bien 79 centimes. C'est 500 grammes. Après, il y a ça aussi. C'est pareil. Voilà, c'est 79 centimes aussi. Il y a 500 grammes aussi. Ouais, donc, c'est le même prix pour toute cette marque-là. Voilà. Là, regardez, si vous recherchez de la pâte à lasagne, c'est la marque Barilla. C'est 500 grammes et c'est 1,89 €. Ouais, c'est intéressant. Franchement, c'est bien. Après, on retrouve ça aussi, les vermicelles comme ça de la marque Samia. Là, c'est 500 grammes. Numéro 77, c'est 99 centimes. Après, je regarde ça, c'est pareil, c'est la même chose. Après, vous avez ça. Oh, c'est intéressant, hein? 500 grammes, 99 centimes aussi. Voilà. Après, je vois ici aussi, vous avez la langue d'oiseau, comme ça, la marque Samia. C'est 500 grammes, 99 centimes aussi. Vous avez les petits... Ça, les petits pots comme ça, c'est 99 centimes et il y a 500 grammes aussi. Franchement, vous avez plein de choix si vous recherchez tout ça ici, et la plupart c'est à 99 centimes pour 500 grammes. Allez, c'est parti, je vais passer du côté des légumes. Là, on peut retrouver de la batavia, 99 centimes la pièce. Alors je continue. Là, on retrouve du concombre, c'est 1,59 € la pièce. Vous avez aussi de la coriandre, je sais pas s'ils vont en remettre ou pas. Là, j'ai du persil dans la main, je crois que c'est 50 centimes la botte, et la coriandre aussi, mais là j'en vois pas. Vous avez aussi les mini concombres comme ça, c'est 2,99 € le kilo. On retrouve aussi des épinards, 2,99 € le kilo. Vous avez là des radis, 99 centimes la pièce. Là, je vois, ça c'est topinambou, c'est ça? Oui.
Topinambour, c'est 1,99€ le kilo. Là, vous avez, j'ai fait verte de 49 le kilo. Du radis rouge comme ça en sachet. C'est un gros sachet d'un kilo, c'est 1,99€. Du chou de Bruxelles, 1,99€ le kilo. Coco plat, 1,99€ le kilo. Vous avez de l'artichaut comme ça, 99 centimes la pièce. Du chou blanc, 1,49€ la pièce. Du chou rouge, 1,49€ la pièce. Du chou vert, 1,49€ la pièce. De la tomate en grappe, 2,99€ le kilo. Alors, on peut retrouver aussi du céleri. La botte, c'est 99 centimes. Et c'est une offre spéciale Ramadan, je précise. On a aussi du poireau. C'est 1,99€ le kilo. De l'oignon blanc en botte, 99 centimes la botte. Vous avez de la blette, 1,49€ la pièce. Des carottes, franchement, il y a plein de choses et les prix sont très intéressants, je trouve. Carottes en botte, 1,49€ la pièce. De la carde, ou du card, je ne sais pas comment on appelle ça. 1,99€ le kilo. Ensuite, je continue, haricots verts, 3,99€ le kilo. Là, vous avez des carottes en vrac, 99 centimes le kilo. Ensuite, alors si vous préférez les carottes, vous avez les carottes en sachet. C'est 1,89€ le sachet de 2 kg. Du chou-fleur, vous avez, c'est 1,99€ la pièce. Du navet violet, 1,49€ le kilo. Navet marteau, 1,49€ le kilo. Navet, ils appellent ça boule d'or, 1,99€ le kilo. Vous avez du fenouil. 2,49€ le kilo. De la courgette ronde comme ça, 3,49€ le kilo. De la courgette blanche, 2,99€ le kilo. De la courgette verte, 2,99€ le kilo. On peut retrouver aussi de l'aubergine, c'est 2,49€ le kilo. Vous avez aussi là des champignons comme ça, 500 grammes, des champignons entiers, 1,69€ la barquette. Ou alors, je vois des champignons comme ça, si vous préférez. C'est 1,69€ la barquette. Ah, c'est intéressant, 500 grammes, franchement. Après, je vois du poivron corne rouge, c'est 2,99€ le kilo. Il y a aussi des champignons au détail. Je ne veux pas toucher, je vous montre comme ça. 1,69€ les 500 grammes. Ah non, ça c'est la barquette, excusez-moi. Ça, au détail, c'est 2,59€ le kilo. Ensuite, je continue avec le poivron vert, c'est 3,49€ le kilo. Poivron rouge, c'est 1,49€ le kilo. Vous avez de la salade aussi comme ça, sucrine. La barquette, c'est 2,49€. La barquette, et je crois qu'il y en a 3 dedans. Ouais, c'est ça. Il y en a 3. Donc le poivron rouge revient dessus, 1,49€. Poivron jaune, c'est super intéressant au niveau des poivrons, franchement le prix, 1,49€ le kilo. Alors on retrouve aussi de la tomate ronde, c'est 2,99€ le kilo. Du piment vert, c'est 2,99€ le kilo. Du piment blanc, 2,99€ le kilo. Ah, regardez, là on a aussi les sachets comme ça de poivrons. Ah, ils appellent ça... Ah, c'est bien ça, les deux comme ça. Ils appellent ça paprika mixte. C'est... Donc, du coup, c'est 400 grammes et c'est 99 centimes. Après, on retrouve aussi du poivron corne vert. C'est 2,99€ le kilo. Alors, offre super intéressante. Regardez, là, je suis à H-Market, hein, toujours. Dans les sous-bois, on peut retrouver les barquettes comme ça de fraises. C'est 99 centimes la barquette. Là, franchement, alors il y en a beaucoup jusqu'à quand, j'en sais rien. Mais si vous êtes intéressé, voilà, c'est 99 centimes la barquette de 500 grammes. Je vais continuer du côté des fruits. On a les pommes golden, c'est 1,99€ le kilo.
Les pommes royales gala comme ça, c'est 1,99€ le kilo. Et regardez-moi l'étalage, c'est juste plein. Vous avez les pommes granit 1,99€ le kilo. Vous avez du kiwi vert comme ça, c'est 49 centimes la pièce. Les pommes Pink Lady, c'est 2,99€ le kilo. Vous avez des poires, c'est 1,99€ le kilo. Poire William, poire conférence, 1,99€ le kilo. Du raisin, regardez, ils les ont mis comme ça dans des sachets. Oh, c'est bien ce qu'ils ont fait. Et c'est 1,99€ raisin noir. Alors, je pense que le raisin blanc, je ne sais pas si c'est le même prix, mais là, je vois que le prix du raisin noir. On a des pommes. Alors, après, il y a les raisins comme ça, qu'ils ont mis comme ça dans des gros sachets. Raisin Red Globe, c'est 2,99€ le kilo. Il y a les pommes Red Chief, je ne sais pas comment ça se prononce, 1,99€ le kilo. Après, on a les sachets comme ça de pommes Golden, c'est 1,99€. Le sachet de... Ah, c'est les petites pommes, j'aime bien. De 2 kilos, vous avez les avocats, tout un étalage aussi, 69 centimes la pièce. Je continue avec le sachet comme ça de pommes gala de 2 kilos. Ouais, c'est 1,99€. Après, vous avez la mangue, c'est 1,69€ la pièce. La sachet de poire conférence, c'est 2 kilos, 2,49€. Vous avez le gros format de date aussi, comme ça, date des Gretnour d'Algérie, 2 kilos, 9,90€. Ensuite, on a les dates branches comme ça, un gros paquet aussi, de 2 kilos, 12,99€. Voilà, des bananes, désolé, il n'y en a plus, mais les bananes, alors c'est 1,19€ le kilo, mais là, il n'y en a plus. L'ananas comme ça c'est 1,99€ la pièce. Après il y a aussi ananas coupé peut-être dans un autre rayon, c'est 1,99€ aussi la pièce. La pastèque c'est 1,99€. C'est 1,99€ le kilo. Voilà. Les oranges, 99 centimes le kilo. Orange en feuille, 99 centimes le kilo. Bon, après, on peut retrouver des prunes, 2,49€ le kilo. Nectarine blanche, 2,49€ le kilo. Il y a aussi des nectarines jaunes. Je vais vous les montrer. Elles sont là, voilà. 2,49€ le kilo. On a des prunes rouges, c'est 2,49€. Le kilo du melon vert, 1,79€ le kilo, donc c'est au poids. Le melon charentais, ah c'est intéressant ça, 1,99€ la pièce. Les clémentines en feuilles, 2,99€ le kilo. Alors la vidéo elle va être un peu longue, hein. Comme ça vous avez tous les prix. Le pamplemousse, 79 centimes la pièce. Citron jaune, c'est des gros citrons, hein. 2,99€ le kilo. La grenade, 2,49€ le kilo. Citron filet, 1,49€ le filet de 500 grammes. Orange naveline, le filet de 2 kilos, c'est 1,99€. Ah bah ça y est, j'ai vu les bananes les amis, c'est 1,19€ le kilo. Voilà, après je vois une autre variété, je sais pas. Ouais. Après là je vois un autre paquet de dattes aussi, un gros paquet comme ça. C'est 12,99€, 1,8 kg. Voilà, les poires je vous les ai déjà présentées. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, là, c'est la même chose qu'on trouve des deux côtés. Vous voyez, pomme gala. Ouais. Les raisins comme ça, je ne vous ai pas montré. La barquette de 500 grammes, c'est 99 centimes. Ouais. Voilà. Après, je vois des poires comme ça. Ils appellent ça poire cheeky. 1,99€ le kilo. On peut retrouver aussi comme ça la barquette de kiwi, c'est une barquette d'un kilo, 1,59€. On retrouve aussi une barquette comme ça d'avocat d'un kilo, 2,99€.
Il y a aussi des petites tomates cerises comme ça. C'est 250 grammes et la barquette c'est 1,49 €. Ils mettent ça dans les. Bien sûr, hein, il y a l'emballage. Voilà, je vois aussi des barquettes de fraises. Alors attendez, je vais aller voir ça. Voilà, regardez, on peut retrouver aussi des cagettes de fraises comme ça. C'est les barquettes d'un kilo et c'est 3,49 €. Franchement, et moi j'ai déjà acheté les fraises chez eux, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est 3,49 € la barquette d'un kilo. Et là, vous en avez pas mal aussi. Je vois aussi des mûres comme ça. 1,99 € la barquette de 125 grammes. C'est intéressant parce que à la base, ça coûte cher. Vous avez des myrtilles aussi. Myrtille 125 grammes, 1,99 € la barquette. Alors, je vais bientôt clôturer la vidéo. Là, je continue avec le couscous. Là, je vois du couscous fin d'Ari, 5 kg, 13,90 €. Alors, je vois aussi qu'il y a de la semoule. Je vais essayer de voir le prix. Je l'ai vu quelque part. Je crois que c'est semoule. Semoule fine. Là, je vois que de la semoule. Pour l'instant, je vois de la semoule fine, c'est 5,99 €. Je vois pas de l'extra fine. Ah oui, je vous ai pas dit c'est quelle marque. C'est la marque Légumor, tout au fond. Et je vois pas de l'extra fine. Pour le moment, j'en vois pas. Non, là, il reste que de la fine. Je vais essayer d'aller voir plus loin si je trouve. Alors, regardez, ça y est, j'ai trouvé l'extra fine. Là, Légumor, c'est aussi. Je vois 5,99 €. Donc, franchement. Si vous êtes à la recherche de semoule, vous avez ici de dispo fine et extra fine. Voilà, de la marque Légumor. Et voilà les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tour à H-Market vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!